Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour du blues, cette fois-ci Leon Redbone, dont personne ne sait exactement qui il était. Histoire un peu mystérieuse, quand on écoute ses enregistrements, en tous les cas, on a l'impression d'écouter du très très vieux blues, et en fait, pas du tout. Là, on est en Do, alors accorder un ton plus bas pour être comme l'enregistrement original, donc en Ré, Ré, Sol, Do, Fa, La, Ré. Il se trouve qu'une fois qu'on s'habitue, ça sonne plutôt pas mal, les cordes sont un peu plus souples, c'est assez amusant, essayez ça de temps en temps. Évidemment, vous pouvez tout jouer en accordage standard, la tablature fonctionne exactement pareil, ça sonnera juste un ton plus haut. Alors on est en Do, et on utilise des positions assez classiques. Do, Sol 7, Fa. Ce genre de choses, donc on est vraiment dans des plans Big Bill Bronzy quand il fait du slow blues, des choses comme ça. Rien de très extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est l'utilisation des mesures. On est à 4/4, à 5/4, donc dès l'intro, enfin il y a deux parties. L'intro, en gros la première page, les premiers systèmes, on est dans la partie intro, on est dans des phrases mélodiques à 5 temps souvent, et ensuite dans la deuxième partie c'est un peu plus carré, donc là on suit une grille à peu près standard et surtout on est à 4/4. Alors les 5 temps, bah il faut essayer de les faire naturellement quand on est dans cette phrase. Voilà, on arrive ici, il faut se repérer sur les accords. Là quand on arrive sur l'accord de Do, là on est sur le temps 1. Tout ce qui précède en fait doit faire 9 temps. Bon, voilà, il faut les faire de manière fluide, sans commencer à essayer de compter. Ensuite, c'est pareil. Ce qu'on voudrait entendre, enfin, ce que l'oreille a plus l'habitude d'entendre, ce serait ça. Voilà, 4 temps. Là, on ajoute, qui est un accord de La bémol. Comme ça un peu furtif, mais qui est assez intéressant aussi pour l'oreille. Et là à nouveau, paf, on a un temps en plus. Bon, en fait, ça se fait assez naturellement, donc il faut juste ne pas se laisser impressionner par ces 5 temps, jouer les déroulés de manière naturelle, travailler les phrases en fait, ici c'est vraiment le turnaround. C'est assez joli. Une fois qu'on a intégré cette phrase, ben voilà, faut la jouer comme une phrase naturellement. Ici, dans le grave, c'est pareil. Il faut viser le Fa. Hein, on part du Do, Do 7. On arrive sur le Fa, quatrième degré. Et c'est le point d'arrivée. Entre les deux, il y a 5 temps, mais c'est pas grave, on joue la phrase. Voilà, il faut se repérer à ça. Une fois qu'on est dans la deuxième partie, tout est un peu plus carré, on a des mesures à 4/4, c'est un peu plus simple à partir d'ici. Voilà, laissez-vous guider par les phrases mélodiques. Voilà, ça, on a une phrase. Essayez de les repérer comme ça, et
mettez en avant les phrases, mettez en avant les débuts de phrases. Ça vous permettra de structurer le morceau, d'y voir plus clair. Voilà. Donc, deuxième partie, plus carrée. Si vous avez du mal avec les cinq temps, commencez par la partie 2. Ça vous fera pas de mal de travailler. On a un blues picking, country blues un peu classique. Alors, le dernier truc, c'est que Leon Redbone, dans son enregistrement, l'intro, il la joue plus lentement que les couplets. Ici, bon, on a fait un espèce de mélange. On est entre les deux, je pense. Travailler le lentement, ça fonctionne. Travailler le plus vite, ça fonctionne aussi. Et écoutez ces enregistrements assez étonnants de Leon Redbone. Et voilà, plongez-vous dans un faux blues ancien, et c'est assez amusant. Et on se retrouve la prochaine fois pour du blues. Salut à tous et à toutes. Retrouvez toutes les partitions relatives à cette leçon dans le numéro 58 de Guitare Sèche le Mag, disponible en version papier ou numérique, par abonnement ou en kiosque. Le lien de notre boutique est disponible dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne.